quand on dit on fait un truc, n'hésite pas à balancer après la pub de Pierre Ménès, quand on fait le changement. N'hésite pas à mettre le... Oui, mais n'hésite, mets le jingle aussi. Derrière, on met la pub et derrière on met le jingle, comme ça, ça nous laisse une minute. On a quoi, les jeunes, quand on a déjà... Strasbourg Football Club. Comme ça, ça nous laisse une minute. Allez, salut tout le monde, c'est l'après-match, le Strasbourg Football Club. Le Racing Club de Strasbourg vient de concéder le match nul, un but partout face à l'AS Saint-Etienne. C'était pourtant le Racing qui avait ouvert la marque à la 55e minute de jeu par... Dites-moi le buteur, j'ai perdu... Gonçalves. Merci beaucoup, merci messieurs, je me suis un peu perdu. J'étais en train de penser à autre chose, j'étais en train de penser déjà à l'égalisation de Gueye à la 88e minute de jeu. Le Racing comptera en partage des points alors qu'il évoluait à 11 contre 10. On a fait un changement dans la team, on a fait un petit changement, nous aussi on a fait notre Thierry Loret. C'est Julien qui a rejoint l'équipe. Salut Julien. Salut Jonathan, salut tout le monde. Ça va ? Ça va, ça va. Un peu déçu. Un peu seulement ? Ouais, bah oui, quand même. Parler un peu de ce match, donne-nous un peu ton avis parce qu'on n'a pas eu l'occasion de te poser la question en direct. Bah ouais, c'est décevant puisque on maîtrise quand même pas trop mal ce match, dans le fond de jeu je parle. Hein. Après on n'arrive pas à tuer quoi, et le problème est là, derrière on fait cette erreur, enfin c'est une succession de petites erreurs qu'on ne doit pas faire à 2 minutes de la fin qui nous coûte ce but et frustration en fin de match. C'est marrant, je me rends compte que, comme Thierry Loret, après ton intervention, on a fait un mauvais changement. Allez, ça change. Allez, ça change. N'hésitez pas, alors déjà, petite parenthèse, n'hésitez pas à nous poser vos questions hein, sur la page Canal Racing. N'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages en commentaire sur le direct. Je les vois en temps réel, en direct. Donc voilà, pas d'attaque frontale, messieurs, calmez-vous. Messieurs, calmez-vous, muscle on va revenir. Jeu, c'est que d'amour, il le muscle ton jeu, on va revenir sur le fil du match, messieurs, si vous voulez bien. On a préparé un petit visuel à la régie là, pour cet après-match sur le fil conducteur de la rencontre. Ça allait vite, hein, 5e minute de jeu, carton jaune pour Stéphane Mitrovic, on le voit à l'écran. Hein. 18e minute de jeu, Subotic, carton rouge, le Racing qui a du mal à installer son jeu et qui va ouvrir la marque à la 55e minute de jeu. Derrière, on se dit que le plus dur est fait, d'ailleurs c'est un terme qu'on a utilisé en plateau, hein, le plus dur est fait. Et malheureusement, Gueye à la 88e minute de jeu est venu casser un peu le rêve strasbourgeois de se dire bah, deux matchs, deux victoires. Je commence par toi, Julien, je te laisse la primeur de la parole. C'est dur, ce scénario est dur. Bah, il est dur, mais comme je disais avant, il n'aurait pas dû exister. Je pense qu'on aurait dû tuer ce match avant. Après, est-ce qu'on avait assez d'armes offensives à disposition, je pense pas. Après, Saint-Etienne a aussi individuellement c'est une belle équipe, hein, attention. À 11 contre 11, je ne suis pas convaincu qu'on ait le même scénario. Donc, mais vu le déroulé du match, on va sortir de ce terrain avec 3 points, donc frustration. Ce scénario, Mathieu ? Ouais, même avis un peu que Julien, on doit avoir 3 points à 2 minutes de la fin, c'est rageant, on fait une erreur défensive qui est très marquante là, sur cette action, puis on le paye cash, quoi. Donc c'est un peu la marque de fabrique des grandes équipes, et je pense que Saint-Etienne va être une grande équipe cette saison en Ligue 1. Et... quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C'est ce qu'ils ont réussi à faire à merveille. Toto commente en direct. Alors, c'est pas une blague, hein. C'est vrai. Toto L'Aigle qui nous dit « coaching mauvais ». Je trouve ça un peu dur quand même, hein, Cyril. Ça dépend. Non, mais le coaching n'a pas été mauvais quand non, même. Non, dans l'ensemble, non. Après, on a tous pas compris le changement aussi avec Cassis. Le changement, oui, la sortie de Cassis pour mettre Lionel Carroll. Donc...
Peut-être qu'il est, il parle de, peut-être de ce changement-là, lui aussi, donc je ne sais pas. Oui, après, le coaching, c'est un ensemble, Maxime, ce match, ouais. Le scénario cruel bah, pour le Racing. Si, la question est sur le coaching ou sur le scénario ? Sur le coaching. En fait, non, il n'y a pas de question. Oui, sur le scénario déjà, tiens, vas-y, sur le, sur le scénario. Sur le scénario, je ne suis pas frustré parce que c'était quelque chose qui semblait être prévisible. Pas d'attaque, pas de victoire, ou très rarement, voilà. Pour moi, le point noir du Racing Club de Strasbourg, qu'on le veuille ou non, ça reste le rendement offensif et l'efficacité offensive. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est sans critiquer Zoé ou Da Costa, mais ces joueurs-là ne sont pas calibrés pour être associés en pointe, à mon sens, aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg, oui. Et en tout cas en Ligue 1. Et ça s'est vu parce que le Racing, pour moi, doit clouer l'affaire à 2-0. Il y a plusieurs actions et on se doit de scorer. Donc finalement, la chose, elle est prévisible. Lorsque vous ne clouez pas ce match-là, vous ne finissez pas, vous vous faites punir. Fini. Donc, c'est pas si frustrant que ça. Donc, si je vous dis mauvaise opération pour le Racing, c'est une question un peu utopique. Hein. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire que c'est une très mauvaise opération du Racing. C'est un bon point pris contre Saint-Etienne quand même. Tout n'est pas acheté sur l'ensemble de la rencontre. On a quand même 4 points en 2 matchs. On a joué Saint-Etienne et Bordeaux. Il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus. Par là, contre, je ne te rejoins pas. Je ne te rejoins pas parce que je l'ai dit, l'année dernière, la troisième journée, on avait 4 points. Oui, mais sûrement pas, on n'avait sûrement pas montré le même visage et rendu les mêmes copies quand on avait 4 points l'année dernière que les 4 points qu'on a cette année. Dans le contenu, ce n'est pas la même chose. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je reste encore, je vais revenir en arrière sur le coaching, mauvais coaching de notre ami Toto, là, c'est ça ? Ouais. Il faudra quand même qu'on m'explique à quel moment Thierry Loret a fait un mauvais coaching parce que, mine de rien, il change son système à la mi-temps. Alors, est-ce que c'est, par la force des choses avec Thomasson, est-ce que Thomasson soit de toute façon sorti parce qu'il n'était quand même pas dans un grand jour ? Il passe en 4-4-2, on prend la largeur, on arrive quand même à avoir ces débordements, ce débordement qui ramène un centre et le but derrière. Bon, je trouve que ce changement tactique est déjà très bon de la part de Loret. Ensuite, coaching, avec quoi ? On avait un banc qui n'était quand même pas exceptionnel aujourd'hui. Mmh. On a 3 défenseurs sur le banc de touche. On a Grimm, enfin défensif, Grimm, oui, on a Koné, j'en oublie un, il y a encore un défensif. Et après, vous avez Nzenzimi qu'on n'a toujours pas vu jouer. On avait Carole, défenseur. Youssouf Fofana. Fofana, un jeune aussi. Zoé qui fait une très bonne rentrée, mais à un moment donné, pour faire un bon coaching, il faut avoir les bonnes armes. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec... avec le coaching, le mauvais coaching, au contraire. Et puis c'est facile de taper sur l'entraîneur quand ça se passe pas bien. Moi, sur ce coup-là, Thierry Loret, hormis éventuellement le changement sur Cassie, qui est assez incompréhensible, je vois pas en quoi Thierry Loret est responsable de ce résultat. Mathieu disait qu'il y avait un meilleur contenu que la saison passée. C'est vrai, mais ça fait toujours que 4 points. Même si 4 points, c'est presque le maximum de ce qu'on pouvait avoir. Mais, 4 points en 2 matchs, quand même. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de frustration de ne pas avoir su tenir ce score. Pour moi, il n'y a pas de frustration. Ça semblait tellement prévisible que. C'est pas pour moi. Sur le scénario, en tout cas, c'est loin d'être inattendu, cette égalisation de Saint-Etienne. On peut avoir les statistiques, s'il vous plaît, à la régie, mais on va voir par rapport à ces chiffres-là, Maxime, justement, par rapport aux statistiques de la rencontre. 57% de possession pour le Racing Club de Strasbourg, 10 tirs, bon, on sait qu'aujourd'hui, ça 10 tirs 5 cadrés, 88% de passes réussies. Encore une fois, le Racing a un taux de passes réussies très très haut, proche du 9 sur 10. 28 centres pour le Racing contre 9 pour cette équipe de Saint-Etienne. Cyril, est-ce que c'est des chiffres, toi, qui te parlent, ça ? Ben, on voit très nettement que dans la globalité, le Racing a dominé le match. Hein. Ouais. Avec le nombre de centres. On voit surtout qu'on était à un plus. Oui, c'est aussi. Le nombre de passes réussies est nettement influencé par le fait qu'on soit à 11 points. Il y a 11% de plus. À un donné, forcément, on a plus de passes réussies puisqu'on a toujours un homme libre. Mais quand on voit ces statistiques, Maxime, est-ce que tu confirmes ce que tu as dit de dire moi, ça ne me surprend pas, c'était prévisible. Ah oui, mais on a quand même. 2 voire 3 actions franches de entre la 65e et la 65e et la 85e pendant 20 minutes, on a quand même des actions franches. Il y a deux gros arrêts de Ruffier. 3 actions franches contre Saint-Etienne, c'est peu et en même temps c'est beaucoup. Et le problème c'est qu'on les met pas au fond et c'est à ce moment-là qu'on le paye. Et après il faut pas enlever le mérite de Saint-Etienne. On oublie quand même qu'il y avait une équipe en face. Le coaching de Gasset. Mais effectivement, il faut le noter. Mais le but de l'égalisation, il ne le vole pas. Hein. Bah non, il est bien ramené. C'est un but qui est construit.
Et il ne vole pas, absolument pas. Une reprise de demi-volée hein, de la part de Gueye. Bah, hein, il est non seulement bien ramené, après on est un peu passif, je trouve, quand même. Il y a ce télescopage. On a revu ce but passif, aussi, hein, oui, pour essayer de l'analyser, on a essayé de revoir. Il y a le télescopage entre Carole et Jonas Martin, je c'est crois. C'est ça, Carole. Il y a l'espace libre pour le centreur qui n'est pas du tout pressé. Il y a une forme de relâchement. Voilà, on n'est pas du tout au pressing. Il y a le centre, et puis après on a. Il y a le Stéphane qui joue bien la feinte. Gueye ne doit pas pouvoir passer la balle entre les ouais, mais à la 88e, si tu regardes bien l'action, on est en 1 contre 1 derrière. Ah oui, à la 88e minute, tu es en supériorité numérique, tu n'as pas le droit. En plus de ça, bon, après, le jeune Stéphanois joue bien le coup, il décroche, il est tout seul, mais je trouve qu'il y a quand même un petit relâchement. Une fois de plus, tu le disais, Saint-Etienne n'a pas non plus. C'est pas des manchots en face, hein, c'est une équipe qui va finir, moi j'en suis convaincu, au maximum 7e. Voire même mieux placé, donc ça a bien joué le coup, ils étaient à 1 de moins, bloc très bas, refus du jeu total, hein, complètement, on a vu 2 lignes de 5, ça coulissait à droite-gauche, terminé quoi. Et puis ça l'a très bien fait. Voilà, et ils savaient qu'ils en auraient une de toute façon. Après bah, vous avez la qualité supérieure individuellement qui fait que sur une occasion, voire qu'un but. Messieurs, je vais vous énerver un petit peu, juste Didier Metzger qui nous dit « Jonas Martin sur le banc ». Il est coupable sur le but. Pardon, sur le banc, Jonas Martin. je pense que monsieur, c'est qui c'est Didier Metzger. Didier Metzger, je pense qu'il va falloir qu'il analyse les statistiques de Jonas Martin en détail. J'imagine que c'est peut-être l'humour. Peut-être que c'est l'humour. On espère, en tout cas. Mais ce n'est pas l'humour. J'espère. Alors, peut-être. Il a lui de le préciser, en tout cas. Ou de préciser pourquoi sur le banc. Pourquoi il serait fautif le but. Pourquoi est-ce qu'il serait plus fautif que Mitrovic qui n'est pas au marquage le but par exemple. Dans ce cas-là, Mitrovic remplace ça. C'est une erreur collective qui a été faite sur l'ensemble de l'action depuis le début. On voit un Parce qu'on voit un Kevin Zoe qui laisse, alors qu'il était dans l'action, il aurait pu empêcher le centre, il aurait pu aller au pressing et faire un. On a un télescopage entre Martin et Carole, il me semble. Carole, ouais, c'est ça. À ce moment-là. Et puis, on est dans l'axe, on n'est pas forcément super bien placé non plus, puisque Maktar Gueye, que Jean-Louis Gasset a fait rentrer, arrive à placer sa reprise. Je pense qu'il ne devrait pas pouvoir réussir à placer sa reprise dans cette configuration-là. Donc non, c'est une erreur collective sur le but qu'on a payé cash. Je suis totalement d'accord avec toi. Et même si c'était une erreur de marquage de Jonas Martin, au vu du début de saison qu'il fait et du match qu'il fait aussi encore aujourd'hui, d'accord, je veux bien, on peut l'accabler si c'était. Il prend sa part de responsabilité éventuellement sur ce but-là. Mais déjà, d'une part, ouais, effectivement, il faut faire le bilan du joueur depuis 2 matchs. Et puis, je vais être familier, mais hein, tu mets qui à la place Tu mets si tu n'as pas Jonas Martin, tu n'as pas 4 Tu mets qui à ce moment-là ah, mais même à Lyon. Allez, c'est un coup de folie, tu mets Jonas Martin sur le banc, mais tu mets qui à la place? Il faut demander à Didier Metzger. Tu mets qui? Grimm. Bon, voilà. C'est pas tout à fait le même profil. Non, c'est même pas du tout le même profil. C'est pas du tout le même profil. Non, mais il n'a pas lieu. Jonas Martin, tu disais 4 points, on n'a pas 4 points sans lui. Rien qu'à Bordeaux, sur le deuxième but, il y a 6 passes, il touche 4 fois le ballon. Ouais. Il faut arrêter, parce qu'une fois... Bon, allez, passons à des choses sérieuses. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à votre top flop quand même déjà? Parce que déjà, on fait un premier étalage, parce qu'après, on aura Seb qui nous donnera le sien, et Philippe aussi, mais un top flop, s'il vous plaît. Moi, j'ai du mal à dégager un flop, j'ai juste un petit bémol sur la première mi-temps de Thomasson, qui pour moi était. Comme la semaine passée, un pas, peu. Ouais, pas au niveau. Après, c'est pas un joueur de couleur non plus, c'est vrai que c'est compliqué, mais je l'ai pas trouvé dedans. Alors, on disait à un moment donné, mais tout le jeu est à gauche. Mais tout le jeu était à gauche parce qu'à gauche, vous aviez Gonçalves qui lui faisait. À droite, tu veux dire. À droite, oui, enfin à l'opposé, qui lui faisait le taf dans le repli défensif, dans l'animation, ce que Thomasson, je trouvais, faisait moins. Alors après, peut-être que Cassie aussi a porté moins que Lala, etc., etc., au niveau offensif. Mais après, un flop, c'est compliqué, honnêtement. Moi, j'ai pas trouvé un joueur. Est-ce qu'on peut déjà sortir les tops alors? On va commencer avec les tops, mais si, on va commencer avec. Moi, j'ai un flop. Vas-y. Vas-y Mathieu, vas-y. Attention, hein, pas forcément sur le... C'est un flop général sur son cas personnel. Mitrovic met l'équipe en danger sur son carton jaune très tôt dans la rencontre. Il se met lui-même en danger en plus. Ouais. Et il est à un moment donné, plusieurs fois dans la rencontre, vraiment à la limite de prendre le jaune orangé et le rouge. Et il de doit sortir. Le prendre pour moi, à un moment donné, il doit le prendre. Mitrovic, alors pas peut-être dans sa façon de défendre, parce qu'il a fait des interventions défensives qui étaient quand même relativement bonnes si on prend l'ensemble de sa rencontre, mais juste sur peut-être... qu'il va falloir qu'il apprenne à se maîtriser, ce joueur. Il a beaucoup d'engagement, il est très combatif, ça se sent. Mais il va falloir qu'il maîtrise sa combativité, son engagement, pour ne pas se mettre lui-même en danger en tant que défenseur. Parce qu'on sait très bien qu'un défenseur avec un jaune, surtout en début de rencontre, ce n'est pas évident de défendre correctement sur l'homme, sur les vagues successives des adversaires. Donc moi, mon flop serait peut-être juste ça, c'est par rapport au comportement de Mitrovic, peut-être canaliser cet engagement, pour pas mettre en danger l'équipe avec un carton jaune et une épée de Damoclès sur la tête pendant 90 minutes derrière. Quasiment. Enfin, 80 minutes en tout cas.
Oui, non, c'est son avis. On a Julien Keller qui nous met dans les tops Mitrovic, Martin, Goncalves. Ouais. Cyril, dans les tops. Ouais. Mitrovic, Martin, Goncalves dans les tops. Mitrovic, non, mais pour les deux autres, ouais. Moi, je les aurais mis. Enfin, moi, je les ai mis en tout c'est cas. C'est quoi ton top hein? Bah, j'avais mis Martinez, je l'avais trouvé très bon derrière. C'est vrai. Goncalves pour son but déjà, et puis la grosse occasion où il a déboîté l'épaule de Wifi. Puis après, j'avais aussi mis Martin en 3 aussi, dans sa continuité depuis le début de la saison. Maxime, il prépare maintenant son top 3. Je préparais mon flop. Top, est-ce qu'on peut avoir ton top déjà, s'il te plaît? Mon top, Cassie en premier, mais de loin, ce joueur, son âge, m'impressionne de plus en plus. Il a fait un premier quart d'heure, une seconde période, parfait dans tous les compartiments du jeu. Ce centre, cette transversale magnifique. Le but, la transversale qui amène le but de Goncalves, mais même dans la récupération du ballon, dans la relance, il y a une action qui m'a marqué. Et ce que je comprends d'autant moins, en fait, le changement donc de Thierry Loret, de le faire sortir juste après ce quart d'heure incroyable, d'une intensité folle, et surtout à son âge. Et surtout de maturité. Je ne vais pas forcément dire de l'intensité, mais il y avait l'intensité, mais la maturité. Pour faire des relances comme ça, il faut savoir jouer au ballon. J'ai pas fini mes tops. S'il vous plaît. Venez, on y va, on va le laisser tout seul sur le plateau. En 2, Goncalves pour son but. Et en 3, Jonas Martin. En 3, Jonas Martin. Ok. Voilà. T'en as encore d'autres? J'ai dit 3. Les remplaçants des tops. Les tops, t'en mets 3. Et les flops, en théorie, flop 3 aussi. Mais c'est la règle du jeu. Moi, personne ne met Sissoko aujourd'hui. Si, on arrive. On n'a pas fini. Parce que là-bas, ça a donné les flops. Non, mais là-bas, ils attendent. En fait, là-bas, j'ai compris. Ils commencent à mettre un peu les tops. Et puis en fait, ils vous refourguent le bébé comme ça. Vous mouillez. Mais cette partie-là, aujourd'hui, la semaine dernière, cette partie-là, j'aimais bien. Aujourd'hui, moi, je suis avec vous, messieurs. Voilà. C'est le coaching, c'est savoir inspirer l'adversaire. Aussi, on vous demande vos tops et flops. Vous donnez vos 3 noms et voilà. On parle plus. Punaise. Top. Qui veut parler? Je ne répondrai pas, je te laisse la main. Mais jusqu'au bout, hein, Conrad. Hein. Qui a fait ce changement dans l'équipe? Merci. Antoine, le patron. Ah, vous avez perdu un stylo. Ouais, c'est bien joué, Maxime. La moitié du stylo. Allez, vas-y, Mathieu, après c'est toi. Pas grave. Top, je mettrai Martin, Sissoko et le petit Cassie qui donne un centre transversal, une qualité exceptionnelle. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Martin, métronome de cette équipe strasbourgeoise, il apporte... quasiment chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, qu'il percute, il apporte le danger, soit par sa qualité de passe, soit par sa qualité de percussion. Sissoko, au milieu de terrain, à la récupération, il s'est montré très solide, très propre dans son jeu. En fait, on n'a pas grand-chose à dire, puisqu'il a fait son match, il a été à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis Cassie, qui pour un jeune joueur du centre de formation, vraiment rayonne pour l'instant. Et en fait, je pense que le changement de Thierry Loret, est-ce que Thierry Loret a eu un doute sur sa faculté de mentalement tenir pendant ce match, de ne pas s'égarer avec la pression des Verts? Et finalement, ce changement, c'était de retourner un petit peu contre Thierry Loret. Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour préserver le joueur par crainte qu'il n'arrive pas à tenir jusqu'au bout de ce match avec la pression qui allait monter entre le public, la ferveur, ces 3 points qu'on touchait du bout des doigts. Et puis finalement, peut-être qu'il aurait eu meilleur temps de le laisser sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup aimé Martinez, qui a gagné quasiment tous ses duels et qui régulièrement, en gagnant un duel... passe la ligne médiane et va vraiment au bout. Oui. On l'a vu souvent, très souvent monter, apporter. Et ça, c'est pareil, c'est un rôle de l'ombre. Il y en a un deuxième qui a un rôle dans cette équipe qui est déterminant pour moi, c'est le gardien, c'est Cels. Cels, aujourd'hui, il était nouveau, très rassurant, très peu de ballons. Il a cet arrêt là qui met sur le poteau, qui va très vite tout seul, tout au début. Et ensuite, derrière, on sent qu'il y a vraiment une grosse confiance avec lui, les deux. Et puis Sissoko, pareil, rôle de l'ombre, mais important. Après, ça n'enlève rien aux autres. Martin était excellent, mais ces 3-là, je les retiens, mais parce que important dans l'ombre. Après, moi, Mats Cels, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion non plus de s'exalter devant lui. Enfin, si on peut retrouver juste les statistiques à la régie, s'il vous plaît, sur la rencontre, moi, personnellement, Mats Cels, il a fait un bon match. Mais quelques interventions. Oui, mais tu sens qu'il y a une vraie confiance. Trois tirs cadrés pour la Saint-Etienne.
Tu sens que dans ses prises, il y a une prise de position. Oui, okay. c'est un bonhomme qui tient sa défense. Leader, okay. Il tient ses gars, il y a une grosse communication, okay. Il parle non-stop, il n'arrête pas de parler pendant tout le match. Okay. Voilà, moi c'est surtout ça, c'est le rôle de patron de la défense. Ouais, bien sûr. Moi j'aurais placé Jonas Martin et encore une fois Ibrahima Sissoko. Ce milieu récupérateur me plaît énormément, ouais. Même si Jonas était placé plus un peu plus haut aujourd'hui, de nouveau, un peu comme face à Bordeaux. Et puis oui, Pablo Martinez, je rejoins un peu ceux qui l'ont cité. Je trouve qu'il a été très très bon aujourd'hui. Et ça va être dur quand même, moi je trouve, de dire... Enfin, j'aimerais pas être à la place de Thierry Loret de dire « j'enlève Pablo Martinez pour mettre Lamine Koné hein. ». Aujourd'hui, ouais, mais peut-être qu'il va le faire, mais aujourd'hui, peut-être que la question se pose plus entre Koné et Mitrovic, ouais, que entre Martinez et Koné. Enfin, moi, à mon avis, Martinez, pour l'instant, on n'a rien à lui reprocher. Je ne sais pas comment réagirait le joueur par rapport aux copies qu'il rend depuis deux matchs, de se retrouver mis sur le banc. Merci, tu as fait ton boulot, on n'a plus besoin de toi. Je ne sais pas. Attention à Thierry Loret dans la gestion de son effectif. Ça va être compliqué de gérer les égos. Et c'est malheureusement ce qui va se passer avec, je me permets, avec Cassie, j'en ai bien peur. Avec Anel Garol. Ouais. Maxime. Je vais dans ton sens, malheureusement. Ça, c'est pas drôle, vous allez tout dans le même sens. Non, hein. Mais je vais dans ton sens, effectivement. Le risque, c'est que c'est Cassie qui paye les pots cassés de tout ça. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est très compliqué maintenant de se passer de Martinez avec ses deux prestations. C'est très compliqué de mettre ton capitaine que tu viens de recruter. Bon. Alors qu'il est bon. Bon, alors qu'il n'est pas. Enfin, moi, je le mets, on m'a pas demandé mes flops, mais je les donne hein, quand même. Mitrovic, parce que je te suis, effectivement, il met en difficulté l'équipe en prenant un jaune très rapidement. Mais c'est surtout sur il a des jaunes orangés. Hein. Il en refait deux derrière. Il en fait deux petites fautes qu'il mériterait. Donc, pour un capitaine expérimenté, premier match au domicile, voilà, c'est compliqué. J'avais mis Thomasson, fantomatique, sur la première période. Et alors j'hésite entre deux, mais je vais pas taper sur le jeune Zoé. Dimitri Yénard. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui et que sur ses points forts qui sont les coups de pied arrêtés, depuis le début de la saison et notamment sur ce match, il est moins au rendez-vous que sur la seconde partie du championnat. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu cramé, surtout avec la prépa pour le moment. Peut-être, mais il faut le noter aussi. Il faut le noter aussi, c'est pas parce que. Messieurs, juste la parenthèse. La Méno et qu'on a passé énormément d'hymnes. C'est vrai, oui, bien sûr. Et d'un point de vue personnel aussi, qu'on peut pas non plus. Messieurs, Toulouse mène 1-0 face à Bordeaux. Ça se sentait arriver. Petite parenthèse. Oui. Ça se sentait arriver. Le contexte à Bordeaux est catastrophique à l'heure actuelle. Attention les Bordelais. Attention au début de saison des Bordelais. T'as mis un flop, toi, Cyril ? T'avais bossé un flop ? Ouais. Non, moi j'avais mis Thomasson. Après, j'en ai pas trop noté de plus. Mais c'est vrai que je rejoins aussi Max pour avec Lienard aussi. C'est vrai qu'on le voit pas trop. On l'a pas trop vu. Après, il joue un cran plus bas que ouais, plus bas que. Il a pas le même rôle. De relayeur et indice en jouant losange. Oui, forcément. Le système de jeu. Là, il joue quasiment à la hauteur de Sissoko. Ouais, c'est ça. J'imagine une consigne de prendre la profondeur avec. Bien sûr. Mais, c'est une question que tu peux te poser avec le fait que Thomasson soit un cran, voire deux crans en dessous de ce que tu pensais. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à faire remonter Dim et consolider Thomasson? Ouais, alors j'aimerais quand même préciser qu'il est en dessous, enfin, il est un peu en dessous sur un match et demi. La préparation de Thomasson a été très bonne. Il faisait partie, pas sur un match, mais sur l'ensemble de la préparation. Il était dans les tops pour moi. Si je devais sortir trois joueurs, pour moi, je le mettais au-dessus du lot, hein, Thomasson. Sur les deux matchs de compétition. Oui, mais bon, si tu t'arrêtes à deux matchs. Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut faire si on te demande un bilan sur ces deux matchs, c'est quand même le joueur qui a le plus de négatifs. En fin de compte. Ouais. Oui. Moi, je te rejoins. Est-ce qu'on change après deux matchs déjà, Thomasson? Bon, après, de toute façon, ça se trouve, il ne jouera pas avec sa blessure. On ne sait pas. Hein, on ne sait pas ce qu'il y a exactement. Mais... Ça dépend à quel poste. Changer ta défense actuellement, ça va être compliqué. Ouais. Après, ta partie offensive, ton animation offensive, tu peux la changer. Tu peux changer ton système, tu peux changer les hommes. Changer derrière, c'est compliqué. Peut-être qu'on aura une recrue devant aussi, hein, d'ici la semaine. Il en faudrait. Et sincèrement, aujourd'hui, on a quand même vu que c'était l'endroit où il nous manquait du monde, hein, blessé. D'Acosta seul en pointe. Ça ne fonctionne pas, c'est un joueur qui peut jouer seul en pointe. Ça peut marcher en rustine, comme à Bordeaux. Ça va peut-être marcher à Lyon, parce qu'à Lyon, on n'aura pas le ballon. Ouais, c'est différent. Et Bordeaux, c'était derrière, c'est pas l'assurance tout risque. Saint-Etienne, c'est deux crans au-dessus de cette équipe de Bordeaux. Oui. On voit encore une fois, Costil, il prend un but à 30 mètres, un lob à 30 mètres. Donc ça. Ouais.
faut faire la part des choses. On a aussi joué aujourd'hui Saint-Etienne, qui, comme tu disais, c'est deux voire trois crans au-dessus de Bordeaux. Puis on n'a pas été mauvais. Bien sûr que non, le match était correct. Il y a absolument rien. Une copie qui était bonne. Et puis ce qu'on arrive à voir depuis les deux dernières émissions, quand on fait les tops et les flops, on a un mal fou à trouver des flops. C'est bien dire que collectivement, au niveau de la colonne vertébrale de l'équipe, on a parlé avec Cyril tout à l'heure en off, il y a quelque chose, au niveau de ce groupe, de l'état d'esprit, au niveau collectif, même si un joueur est un petit peu en dessous des autres, ils arrivent à pallier aux difficultés de ce joueur. C'est pas comme si on pourrait dire qu'il y a un joueur à cibler qui met vraiment en danger toute l'équipe, qui est catastrophique. On sent vraiment qu'il y a une âme collective dans cette équipe, que même s'il y en a un qui se retrouve en dessous, les autres peuvent compenser. Tu sais très bien, enfin je pense que tu sais très bien d'où ça vient. Et tu disais, le point central c'est Cels. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous peur la saison dernière qu'il y ait une défaillance collective, parce qu'on sentait la fébrilité de cette équipe-là, et notamment par rapport au manque de confiance envers ton gardien. Quand tu changes dans la saison, alors certes par des blessures aussi, mais trois fois de gardien, que tu ne trouves pas ton numéro 1, parce que... Bon, après, on va pas refaire le débat sur la saison dernière. Oui, parce que collectivement, on défendait mal aussi. Collectivement aussi, mais le rôle, et on le sait très bien, le rôle du gardien est prépondérant dans l'organisation de ton bloc défensif. Et cette équipe aussi, on peut parler aussi de la Saint-Etienne, parce qu'on parle que le Racing a concédé, mais beaucoup d'observateurs voient la Saint-Etienne en surprise, dans le top 5 aussi. Hein. C'est pas une surprise. Ce sera pas une surprise. Ouais. Quand t'as dans tes rangs Stéphane Ruffier, Yann Mvila, Debuchy, Cabella, etc. Diony qui est encore. Diony pareil. Même si Botic, qui est un très bon défenseur. C'est pas une surprise. Si Saint-Etienne finit pas dans le minimum top 6, top 7, c'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Saint-Etienne a une équipe qui, sur le papier, est très élégante. Et en plus, quand on voit la moyenne d'âge des équipes dans ce championnat de France, Saint-Etienne est la deuxième équipe la plus expérimentée de ce championnat. Donc l'élégance du 11 type de Saint-Etienne, plus du banc, parce qu'ils ont de la ressource derrière, mêlée à l'expérience que peut avoir cette équipe, peut faire mal et peut leur permettre d'aller chercher quelque chose d'intéressant cette saison. Bah, c'est même un regret qu'ils ne jouent pas l'Europa League, parce qu'avec une équipe aussi expérimentée, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Ils payent leur début de saison l'année dernière, où à un moment donné, on s'est demandé s'ils n'allaient pas jouer le maintien en concurrence avec nous. Cette équipe du Racing Club de Strasbourg, en tout cas, elle nous plaît. Il faut encore recruter. De toute façon, maintenant, ça va toucher à son terme. On est le combien ? On est le 20 ? 10 juin août. Ouais, donc il reste encore 11 jours exactement pour recruter. On parle de Timothy Weah du côté du Racing Club de Strasbourg. Julien, rapidement, j'ai pas eu ton avis là-dessus. Sur Timothy Weah ? Ouais. Bah, c'est un jeune joueur d'expérience. Comment dire, c'est un jeune joueur qui côtoie depuis maintenant 2 ans Cavani, Neymar, Mbappé, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui est encore tout jeune. Il a 18 ans, 19 ans, je crois. Ça peut être une bonne pioche parce que ça sera au moins aussi fort qu'un Acosta, qu'un Jorge, etc. Par contre, c'est pas le même profil. Il peut jouer seul en pointe, il l'a déjà fait, mais il l'a fait toute la campagne match amicaux du PSG. Donc ça peut être une bonne pioche. On va faire un point aussi sur les résultats de cette deuxième journée, alors que Bordeaux, c'est la mi-temps. Toulouse mène 1-0 et il reste Nîmes, Marseille ce soir en clôture de cette deuxième journée de Ligue 1. On fait un point à Reims qui a battu Lyon 1-0, Paris qui a battu Guingamp à Guingamp 3-1, Montpellier s'est imposé du côté d'Amiens 2-1, Caen, Nice 1-0, Dijon Nantes 2-0, Monaco, Lille 0-0, Rennes, Angers 1-0. Et Strasbourg-Saint-Etienne, 1-0. Finalement, oui, quand on voit que Dijon bat Nantes, le Racing n'a pas fait une mauvaise opération comptable, on peut dire. Bah, Maxime, le point pris est bon. Maxime, le point comptable. Le point contre Saint-Etienne, c'est un bon point. Même si, au vu du scénario, on aurait pu en avoir, on aurait pu avoir deux de plus, mais. Mais il faut être d'un point de vue pragmatique. Je pense qu'on aurait tous signé pour 4 points après bien sûr. Bordeaux et Saint-Etienne. Oui, parce que s'il suffit juste encore de prendre un petit point du côté de Lyon, on dira qu'on a eu un bon mois d'août. Ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Thierry Weiss qui dit « Mauvais coaching, messieurs, mauvais coaching de Loré. On ne sort pas en arrière lorsqu'on est mené 1-0. » Lorsqu'on mène 1-0. Oui, lorsqu'on mène 1-0. Oui, mais c'est facile à dire. Si maintenant on gagne le match, qu'on met un deuxième but, on va dire super coaching de Thierry Loré. Il a fait rentrer Lionel Carroll et il a apporté défensivement. Non, c'est... Ce serait intéressant de voir la réaction de Thierry Loré pour savoir pourquoi, qu'il s'explique sur le choix d'avoir sorti Anthony Cassie, tout simplement. Évidemment que le choix est surprenant, on ne peut pas dire incompréhensible. Après, on ne sait pas si Cassie avait
pas une petite pointe, une blessure, on n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas eu de communication pour l'instant dessus. Est-ce que l'idée de Thierry Loret était de donner du temps de jeu à Carole, parce qu'ils n'ont pas cherché Carole pour être sur le banc, il va jouer, il ne faut pas se voiler la face non plus. Par contre, faire rentrer ta recrue qui t'est arrivée hier à la 50e minute, 55e minute, je ne sais plus, je crois, c'est très surprenant. Je pense qu'il y a une raison derrière qui tient la route. À l'heure de jeu. C'est vrai qu'on s'est tous posé la question. S'il n'y a pas de raison apparente, oui, c'est surprenant. Après, évidemment, le changement est bizarre. Et de là à dire mauvais coaching, oui, sur le coup, c'est peut-être un mauvais coaching, mais ce n'est pas ça qui fait prendre deux buts à la fin. Enfin, il n'y a pas que ça. Oui et non. Effectivement, ce changement-là influe quand même sur le match. Pas le même profil. C'est pas le même profil, mais ça influe sur le match dans le jeu du Racing. Parce que Cassie apportait énormément dans l'animation, ça tout passait par le côté gauche. Ouais. Et mine de rien, le but que tu prends, il vient côté gauche aussi. C'est vrai. Après, moi, j'ai surtout mal au cœur, guillemets, pour le pauvre Cassie, s'il est sorti juste pour donner du temps de jeu, ou je ne sais pas si c'est extra sportif. Donc, guillemets, c'est effectivement. Dire comment briser le moral d'un jeune, faites comme ça. Dire mauvais de coaching, non, sur l'ensemble du match, tu prends quand même un point. Face à Saint-Etienne, tu ne peux pas dire que le coaching est mauvais. Sur cette décision-là, tu peux la remettre en cause. Tu peux la discuter, effectivement. De là à dire que le coaching est mauvais, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Thierry Loret dit qu'il n'a rien à reprocher à ses joueurs. Cyril, d'accord ? Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord, rien à reprocher aux joueurs du Racing Club Strasbourg ? Non, dans l'ensemble, non. Ok. Si. Enfin, il faudra demain, dans le débrief du match, Thierry Loret… Non, mais bien sûr qu'il y a… Oui, par rapport à la… Le relâchement collectif qu'il y a à la fin, c'est un détail, mais c'est le détail qui fait qu'on perd, on perd deux points aujourd'hui. Poser la question à notre entraîneur. Devant les caméras, il va pas tacler un de ses joueurs. Quand tu es entraîneur, tu défendras toujours ton équipe ton équipe te suit dans tes décisions et dans ton quotidien. Si tu sens que le groupe est derrière toi, jamais tu diras devant la caméra. Il a entièrement raison. C'est un discours. Le discours est impeccable. Ensuite, derrière, il a forcément son analyse derrière, individuelle, collective. Mais il a raison de raisonner comme ça. Je vais effectuer mon dernier changement. Je vais demander un temps mort à monsieur l'arbitre. On va faire un changement dans l'équipe de Canal Racing. Ça y est, je peux y aller. C'est Mathieu ? C'est qui part ? C'est Mathieu ? C'est moi. C'est Mathieu qui s'en va. Il s'en va. On va faire entrer notre joker de luxe dans les arrêts de jeu. On fait une petite pause et on se retrouve dans une petite minute. A tout de suite sur Canal Racing. Oh, but pour le Racing ! Bah ouais, c'est Pierre Ménès. Bah si vous voulez suivre l'actualité de Racing, vous allez sur tous les supports sur Canal Racing. Rien d'autre à ajouter. Ok. Vous aussi faites comme Pierre Ménès et téléchargez l'application Canal Racing sur iPhone et Android. La toute dernière partie de cette émission, le Strasbourg Football Club, c'est l'après-match. On a fait match nul face à la Saint-Etienne au stade de la Mélo aujourd'hui. Un but partout, on a fait un dernier changement dans l'équipe Canal Racing aussi, avec Mathieu Kaminski qui a cédé sa place. Et c'est Sébastien Young qui fait son retour sur le plateau, ça faisait longtemps. Prends bien le micro, parce que désolé, c'est vrai que c'est pas... On fait avec, c'est-à-dire c'est un petit peu de pub, du placement de produit Canal Racing, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Exactement. Ça manque de mug. Ouais, ça manque de mug pour l'eau, c'est prévu, faire des mugs. Seb, ton top flop tout de suite. Alors dans le top, c'est un peu l'idée générale, mais je mettrais Sissoko, Martin et le gardien. Sels qui, même s'il n'a pas eu énormément à faire, surtout en deuxième mi-temps, ce qu'il devait faire, il l'a bien fait, et même très bien, et hyper rassurant. Que ce soit dans les sorties ou dans les arrêts. Ton micro, est-ce qu'il est bien allumé ? Est-ce qu'on peut vérifier que le micro soit bien allumé ? Il est allumé. A priori, on nous a dit à la technique que
On n'avait pas de son venant de ton micro, va falloir qu'on nous confirme tout ça dans quelques instants. On continue juste rapidement pour bien vérifier les premiers retours. Si tu peux même, on peut même aller vérifier. Si on peut passer le micro quelque part de manière un peu acrobatique. Les aléas du direct. On peut ouvrir, non mais on peut ouvrir, c'est les aléas du direct. Hein. Alors, on est en direct, on est en direct messieurs. Donc, est-ce qu'on peut interagir avec les commentaires Bien sûr on peut. Vas-y Maxime. Donc, alors qu'on peut fermer la porte pour avoir porte moins d'écho. Merci, impeccable. Merci la régie. Toto L'Aigle qui nous dit « Et nous n'oublions pas que nous étions à 11 contre 10 pendant 70 minutes, alors nous devions gagner. » On doit gagner tous les matchs, hein, de toute façon. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai le droit de dire on doit gagner tous les matchs, hein? Bah évidemment, c'est une évidence. Mais je ne sais pas si tu voulais continuer. Non, je t'en prie. Toto L'Aigle, il envoie des pics aujourd'hui. Non, mais il envoie des pics, Toto L'Aigle. C'est un peu l'idée générale des réseaux sociaux. Oui, mais après, il y a la théorie, on est un de plus. Il y a la pratique. Qu'est-ce qui se passe quand Saint-Etienne passe à 10? Il fait deux changements. Et il place le bus devant les 16 mètres en tentant d'exploiter les quelques brèches, dont celle de la 88e minute. Évidemment qu'on doit gagner quand on est un de plus. Mais ensuite, on a joué une équipe qui était tout sauf mauvaise, qui a très bien joué le coup. Et après, on doit tuer le match, je suis d'accord avec toi. Mais c'est trop facile de se cacher derrière ce fait qu'on soit un de plus. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte d'entendre ça. C'est pas parce que tu es en supériorité numérique que de 1, le match, il est gagné. C'est comme si tu as un pénalty que tu dis c'est but. Non, c'est pas le cas. Il y a encore une équipe qui est en face. On a le nombre de matchs où des équipes en infériorité se sont imposées, il y en a pléthore. On a eu le cas la semaine dernière. Hein. On m'entend là, du coup. Mais la semaine dernière, si Toto L'Aigle était en juin, est-ce qu'ils auraient dû gagner le match? Qui plus est. Non, mais je te suis totalement. Donc voilà, moi, on ne peut pas être autant exigeant, d'une part, envers le Racing Club de Strasbourg. De mettre sa frustration d'un résultat très positif, c'est-à-dire les trois points qui nous tendaient les bras, sur le fait d'un mauvais coaching et de certains joueurs qui n'auraient soi-disant pas eu le rendement attendu. Non, voilà, il y avait une belle équipe qui était en face. Si on nous avait dit un partout avant que le match débute, on aurait tous signé. Et ceux qui n'avaient pas signé, je pense que ce sont des inconscients. Seb, ton top, s'il te plaît. Donc le top, si on entend cette fois-ci, ben, je mettrai Sissoko, Martin, qui ont fait le boulot au milieu. Hein, comme, alors oui, Martin, il est sur la petite erreur qui amène le but, mais c'est l'équipe qui fait l'erreur, hein, c'est toute la base arrière. Donc on ne peut pas imputer ce but à Jonas Martin. Et le gardien de but, Matt Sells. Parce qu'il est quand même très rassurant. On est hyper Matt Sells, comme je dirais. Non, mais là, c'était pas Sells. Mais oui, il est hyper rassurant. Dans les sorties, quand il fait un plongeon, qu'il pousse le ballon de côté, voilà, ça revient pas au milieu. Et en fait, quand il fait quelque chose, l'équipe n'est jamais en danger. Ouais, alors on a Antoine qui nous dit « Le match n'est pas gagné quand on est en supériorité numérique, mais il faut le gagner. Trop peu de mouvements devant et surtout, on arrête de jouer quand on mène 1-0. » Est-ce que c'est le sentiment, vous avez l'impression qu'on a un peu arrêté de jouer, Julien? C'est exactement le mien, en fait. Enfin, on n'a pas arrêté de jouer, évidemment. On ne s'est pas arrêté d'une minute à l'autre. Mais j'ai trouvé que dans l'animation, dans la circulation de balles, dans ce qu'on proposait offensivement, on a levé le pied une fois qu'on a marqué. J'ai vu le commentaire arriver, je suis assez d'accord avec Antoine. Et même avec Yannick, juste au-dessus, qui dit que le foot, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie. C'est pas parce qu'en face, vous avez 10 bonhommes et nous, que nous soyons 11. Ça n'a pas passé. Non, mais intrinsèquement, on revient dessus, cette équipe de la Saint-Etienne, elle est beaucoup plus jolie quand même. Enfin, on a une belle équipe, mais cette équipe de la Saint-Etienne, c'est une équipe top du classement. J'allais rebondir ce qu'il dit, on a peut-être arrêté de jouer, mais peut-être que physiquement, on n'était pas, on n'est pas aussi fort que Saint-Etienne. Saint-Etienne, à la fin, il y avait encore de la caisse, ce que Strasbourg n'avait peut-être plus par rapport à Bordeaux, où Bordeaux n'a plus joué. Voilà, à la fin, on avait de la caisse, mais on était peut-être physiquement. Limité, et là on était clairement aussi limité physiquement. Là où il y a une image qui m'a surpris, on est aux alentours de la 85e, il y a un gros plan sur Da Costa qui est cramé. Mais physiquement, il était cramé. Et le fait d'avoir simplement Zoui sur le banc, et en plus de le faire entrer à la mi-temps, tu t'enlèves une opportunité de rafraîchir et de mettre du sang frais dans ton attaque. Dans une attaque déjà qui n'est pas non plus impériale et qui s'impose face au bloc défensif stéphanois.
Et j'ai vu un commentaire circuler que Bauken, et on le soulignait pendant le direct, oui, que c'était un match pour Bauken. Clairement, il aurait pesé bien plus que. Et c'est pas pour attaquer Zoe ni Da Costa, mais je maintiens que d'associer les deux, ce ne sont pas des profils compatibles. Peut-être pour ça qu'il n'avait pas fait au coup d'envoi. On peut aussi, oui, on peut parler aussi de Ludovic Ajorc, hein, qui aurait apporté énormément sur les centres, parce qu'on a vu quand même, on avait les chiffres sur les statistiques, 29 centres. 20, j'ai plus le chiffre exact, il va nous les mettre après à la régie. Je sais plus, mais il me semble que c'est 28 ou 29 centres. Ouais, pas loin de la trentaine. Ouais. Ludovic Ajorc, ouais, ça peut apporter aussi. Hein, bon, c'est 1m97. 28 centres. Hein. Ouais, 28. Ouais, sur des centres, ça c'est clair. Il aurait pu apporter tout ce qui était dû à l'aérien. Hein. Ça manque, hein, des gens. Bah, de toute façon, c'est évident que c'est le domaine offensif où on manque d'armes actuellement. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ni de la faute de Lorraine, ni de la faute de Da Costa, ni de Zoe. Ce genre de match qui voulait le tuer dans les dernières 20 minutes, c'est en pouvant permettre devant, changer, rentrer un attaquant, rentrer deux attaquants peut-être, pour continuer à mettre une grosse pression. Da Costa, il a 80 limites dans les pattes. Au bout de la 75e, vous pouvez faire comme vous voulez. Quand vous jouez 45 minutes tout seul devant, vous êtes carbonisé. C'est ce qui s'est passé. Zoe, il est rentré. Sincèrement, moi, je trouve que Zoe fait une bonne rentrée. Derrière, si on avait eu un attaquant supplémentaire sur le banc, voire deux, je ne sais pas, Ajorc, Sadi qui est blessé, etc., peut-être qu'on aurait fait la différence. Là, aujourd'hui, avec l'état du banc de touche, la profondeur de banc qu'on a aujourd'hui, bah, on a fait avec nos armes. Voilà. Oui, ça parce va que peut-être venir. Qu'est-ce qu'on aurait pu changer d'eau dans cette rien, équipe, tu peux rien changer. Moi, je peux pas. Tu peux pas. Moi, j'avais mis un tout petit bémol à la mi-temps où je disais le changement, il a été obligé de le faire. Alors, je ne parle pas de mauvais coaching, attention, mais je trouve qu'il y a une erreur parce que quand on mène 1-0, qu'on voit que l'équipe est cramée, pourquoi pas sortir Da Costa et mettre un Grim pour de nouveau un peu renforcer ce côté défensif. Est-ce que ton pressing offensif, il est moins important? Il est moins important, du coup, je veux dire, on voit que l'équipe est cramée et c'est là où je mets le bémol. On lui reprochait souvent, pas le mauvais coaching, mais le temps de réaction. Est-ce que cette réaction n'aurait pas dû l'avoir? Monsieur, en face, en vos avis? Je pense pas que Jérémy aurait eu un impact sur la fin du match. Je pense pas. Je pense pas que Jérémy Grim. Défensivement, hein, je parle de. Voilà, quitte à faire une marche arrière. Sissoko faisait le boulot, Jonas Martin était bien présent, Dim aussi, dans ce secteur-là, est-ce qu'il aurait apporté plus? Tu vois, pour moi, si on part du principe qu'il fallait gagner ce match, au vu du scénario, tu fais pas rentrer Grim. Ou alors tu fais rentrer Grim, mais tu fais monter, oui, Dimitri Léna. Les coachs, on mène 1-0, on joue 11 contre 10. On voit que malgré qu'on est à 11 et eux à 10, qu'on est dominé, on voit un Da Costa cramé. À un moment donné, ça, on peut aussi faire marche arrière, quitte à mettre un autre jeune joueur défensif. Donc on en vient, si on en vient à des changements qui auraient pu influer sur le match, on revient sur le changement de Cassie. De Cassie, ouais. Qui t'enlève une cartouche, du coup. Mmh. Tu t'enlèves une cartouche. Mais il l'utilise pas, la troisième. Et dans le. Bah oui, il l'utilise pas en plus, voilà, la troisième. C'est ça, que moi je reproche. Oui. Alors à la rigueur, il sort Cassie, il met Carroll. Bon, ça déséquilibre pas trop l'équipe en fin de compte, parce que Carroll fait quand même une bonne entrée. Mais pourquoi il n'utilise pas cette troisième cartouche? On revient un peu plus défensif. Après, ça te fait aussi reculer ton bloc. Hein, mais on avait un bloc très haut parce qu'on était en 4-4-2. Tu dois repasser en 4-2-3-1 parce que si tu sors Da Costa et tu rentres un récupérateur, forcément, tu as Zoé tout seul en point. Tu dois remettre ton milieu de terrain de départ. On reculait. C'est pour ça qu'on prend le but. Mais c'est exactement ce qu'on reprochait à Lorraine l'année dernière. On disait tout le temps, ah bah, il bétonne de nouveau. Là, aujourd'hui, il n'a pas bétonné. Donc, on lui dit qu'il ne l'a pas fait. À un moment donné, il faut se placer. C'est peut-être un peu tôt dans la saison, mais effectivement, il va falloir faire le débat. On l'a amorcé durant le match. Effectivement, il réagit bien à un fait de jeu. Et souvent, Thierry Loret, alors peut-être que ça, on va se prendre des cailloux à la méno si on nous entend, et notamment de la part de Thierry Loret, mais c'est vrai que sur des décisions qui sont propres à lui pour influencer le jeu, c'est rarement payant. J'ai pas mémoire de voir un t'en veux, moi je peux t'en donner deux, hein. Paris et Lyon, la saison passée. Dis-moi les choix. En cours de match, mais il a fait des choix. En cours de match. Ben oui et non. Alors moi je te rejoins pas forcément là-dessus. Je te trouve un peu dur parce que alors comme dit, on sait pas ce qui s'est passé entre Cassie et Carole. On sait pas. Ça se trouve c'était convenu à l'avance. Le scénario devait pas être celui-ci. Il y a un expulsé. Voilà. Derrière on apporte de l'expérience et puis surtout on sait qu'on n'est pas dupe. On sait que Carole sera titulaire la semaine prochaine.
Donc il fallait peut-être aussi le mettre dans les conditions de match, parce qu'il n'a pas eu de match de préparation avec le Racing Club de Strasbourg, et peut-être le faire jouer la fin de rencontre. Et puis franchement, Carole a montré de belles choses. Non, mais c'est ce que je dis. Le changement, on a été surpris, mais il n'a pas changé grand-chose dans le jeu. Carole a fait une bonne entrée. Il était moins offensif que Cassie, mais il fait pas une mauvaise entrée. Il n'influe pas sur le. Mais après, Julien le dit aussi. Ouais, mais Julien le dit aussi, c'est que ok, d'accord. Il y a des champs. Enfin, maintenant, on parle. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre en plus? Moi, par rapport à l'effectif qu'on voit là sur le banc, alors le 11, il était très beau, il était franchant, il est clinquant le 11. Le 11, il a de la gueule, clairement. Mais alors, tout le monde est remplaçant, à part changer des défenseurs, qu'est-ce que tu veux changer? Mais c'est bien pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire que le coaching est mauvais. Ça voudrait dire que tout est mauvais, tout est acheté. Or, je ne dis pas ça. Je dis simplement que sur des choix de coaching qui peuvent influencer une rencontre, rarement Thierry Loret fait les bons choix. Moi je trouve justement que son choix de ne pas rentrer Grimm, il aurait pu influencer. Malheureusement ça s'est mal passé, mais justement on était chez eux, on était haut, on était beaucoup plus proche du 2-0 que du 1 partout. Il a eu totalement raison pour moi de garder son 4-4-2, il a eu totalement raison de garder Dacosta même carbonisé, garder deux points devant, garder Lienard sur le côté et Gonçalves sur le côté, et moi je n'aurais absolument pas touché. Mais alors moi c'est marrant parce que dans les commentaires que je reçois, que je vois, beaucoup de supporters estiment qu'on a reculé. C'est pas l'impression que j'ai eue, en fait on n'a pas reculé, c'est que Saint-Etienne est monté d'un cran aussi. Saint-Etienne a poussé, c'est normal, un quart d'heure de la fin ils donnent tout les mecs. Physiquement nos milieux, ils étaient cramés, on reculait, alors même si c'est que de 10 mètres en arrière, mais ces 10 mètres là c'est ce qui a apporté ce centre, cette mauvaise relance, ces fameux 10 mètres là. Mais ce 10 mètres là, je reviens sur ce centre, on parle d'un point précis, le centre, c'est Kevin Zoé qui est sur le marquage. Donc on peut reprocher beaucoup de choses à toute l'équipe, là pour le coup c'est pas un coaching, il a fait rentrer Zoé à la mi-temps. Donc, je prends l'exemple. Il est frais, il n'est pas cramé quand même Zoé à la 45 fin de match. Souvent, on apprend aux défenseurs ou aux défensifs, quand tu as le ballon comme ça dans les 16 à la 85e, tu dégages le plus loin possible. Là, c'est ce qui n'est pas arrivé. Et Yannick Bouvard donnait un commentaire. Alors, il y a eu deux commentaires que j'ai beaucoup appréciés de Yannick Bouvard. Alors, je termine juste le dernier. En fait, il dit le mauvais coaching aurait été de laisser Thomasson avec un mandage et de le laisser. Bien sûr. Ça aurait été un mauvais coaching. Oui. Donc là, pour le coup, il est forcé de faire le changement, mais il le fait bien quand même, son changement. Il aurait pu faire un poste pour poste. Est-ce qu'il l'aurait fait sans la blessure? Ça, c'est une bonne question, par contre. Oui, mais c'est tout à fait ce qu'on a dit. Hein. Je ne sais pas si on écoutait dans cette émission, notamment par le présentateur. Très intéressant, le dernier commentaire, Julien. Mais c'est vrai. Très intéressant. Même pendant le match. Ah, salut. On peut parler football. On peut parler football. D'autant parce que moi, j'ai une autre question après. Oui, on l'a noté que le changement, effectivement, de Thomasson était pertinent. Et il fallait le faire. Mais est-ce que Thierry l'aurait fait? Et comme tu le disais, Seb, est-ce que Thierry l'aurait fait parce que le joueur est blessé ou pour une question tactique? C'est différent. C'est différent. Et sur un point de vue tactique, Thierry l'aurait, pour l'instant, depuis qu'il a... En tout cas, pas forcément depuis qu'il a au Racing, mais sur la saison dernière, c'était pas son point fort. Et c'était des propos, des choses qui étaient relevées par les journalistes. Et souvent, Thierry l'aurait... fustigeait les journalistes de l'attaquer sur ce côté-là, et alors que c'était très juste. Non, mais alors, encore une fois, là, je suis pas d'accord avec toi, parce que, ok, d'accord, un coaching gagnant, c'est quoi? Un coaching gagnant, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez un joueur qui a quasiment, au moins le même niveau que quasiment ton titulaire. Hier, Mbappé, il rentre à la mi-temps, il fait un doublé, ça, c'est un coaching gagnant. Messieurs, on met qui a le niveau pour être, hormis maintenant, qui est encore un peu en manque de rythme? On a Lionel Carroll, mais derrière, vous voulez faire un coaching gagnant de quoi? Tu veux un coaching gagnant? Exactement ce que je t'ai dit avant, c'est que t'as pas le banc pour faire brancher le truc dans la terre entière. L'année dernière, c'est pareil. Veux un coaching gagnant? Le coaching de Saint-Etienne. Tout simplement. Mais coaching de Saint-Etienne, t'as vu le bantouge de la Saint-Etienne? Monet Paquet, Gay. Je suis d'accord, mais en attendant, combien de coachs auraient à la 35e minute fait le deuxième changement, changé le dispositif tactique, et ils ont eu ce qu'ils voulaient? Ils cherchaient le match nul, ils l'ont eu. Moi, j'ai vu une autre question très intéressante, et je vais te la poser à toi, Cyril, parce qu'on t'entend pas beaucoup. J'aimerais bien que tu prennes de la puissance dans cette émission. Est-ce qu'il y a un point faible à tes yeux dans cette équipe du Racing Club de Strasbourg? Et après, on va en débattre, parce que j'aime beaucoup ce débat. Un point faible? Ouais, est-ce qu'il y a un point faible? Selon toi, hein, t'as le droit de dire non, hein, mais est-ce que tu as vu un point faible côté Racing Club de Strasbourg? Non, pas fort. Enfin... Non? Attaque. Comme ça. Oui, attaque! Ça manque d'attaquants, ça, forcément. Non, il dit attaque, rentre dedans, mais muscle ton jeu! Oui. Non, non, pas vraiment. D'accord, pas de point faible. Messieurs, Yannick Bouvard disait, c'était quelque chose qu'il avait marqué, c'est que le Racing Club de Strasbourg ne pointe pas un point faible aujourd'hui. Dans toutes les lignes, on a un joueur qui a si, l'efficacité.
l'attaque. Mais c'est pas vraiment un point faible. On parle. Non, on arrive à se procurer des. Moi, je suis pas d'accord. Mais du joueur qui te fait. Mais non, le point faible dans le jeu, je trouve qu'on a pas vraiment de point faible quand même. Regarde aujourd'hui le nombre d'occasions. On parle d'efficacité. On a 6 tirs ou 5 6 tirs cadrés, je crois, un tir de plus. On met un but. Ah ouais, non, je trouve que c'est pas mal quand même en termes d'efficacité. La première mi-temps, on n'a que deux tirs dans un cadré. Ouais. Deuxième mi-temps, on domine. On avait 0 corner, on en avait 7 en deuxième mi-temps. Et sur tout ça, même sur le corner, on ne se crée pas d'occasion en réel. Donc on a un point faible, c'est le corner. C'est, non, mais les coups pieds arrêtés ou tout ça, on ne se crée pas d'occasion en réel. Mais c'est pour ça, que je mets. Donc notre point faible, il est là. Quoi. Bah, c'est pour ça que je mets Dimitri dans les moins. Je vais pas dire dans les flops, moins, ouais. Mais dans les moins. C'est que. Et c'était le cas aussi à Bordeaux. Même si il y a un but sur corner, il a une baisse dans la qualité et la précision de ses coups de pied arrêtés, Dimitri. Et notamment sur ce match. C'est un atout qu'on n'avait pas aujourd'hui, ouais. Effectivement. Après, c'est un atout parmi. Voilà, c'est un détail. C'est comme le but, c'est plein de petits détails qui font qu'on prenne le but derrière. Après, moi, je reste convaincu que. Moi je reviens juste sur l'oreille parce que je vois que ça défile là sur les changements. Moi je reste convaincu qu'il a fait le bon choix. Là, je répondais juste à 2-3 qui continuaient à dire que c'était pas le cas. Il a eu raison de tenir le coup. Et puis, il a eu finalement, raison de... alors on était 11 contre 10, mais l'offensive des Verts la dernière, tu peux pas, ils sont pas à 10. En fait, qu'ils soient à 10 ou à 11 ou à 9, ça revient même. L'attaque elle est faite par le même nombre de joueurs. La consigne de Gasset, enfin on n'est pas dans le vestiaire de Saint-Etienne, mais on n'est pas non plus débile. La consigne de Gasset c'est quoi? Les mecs on tient le plus longtemps possible. On prend pas de but et dans le dernier quart d'heure on monte 2-3 fois, on va en planter une. Et c'est ce qui s'est passé. Tu peux avoir Grimm sur le terrain, qui tu veux. Les mecs à la fin ils en ont une, ils vont la chercher. Parce qu'on parle de cette équipe de Saint-Etienne, mais on oublie le coach. Hein. Jacques Duguay-Pérou parlait d'un vieux renard, hein, vieux loup, hein, de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de rusé. Bah, au vu du nombre d'années de carrière sur un banc, que ce soit en tant qu'entraîneur ou adjoint. Oui, c'est sans doute l'entraîneur de Ligue 1 le plus expérimenté aujourd'hui. Et il fait un changement qui est déterminant, je trouve, pour son assise défensif, c'est quand il sort Amouma, je crois, et qu'il rentre Monet Paquet. Blessé, hein, Amouma, a priori. Ouais, sur ce Beansport, c'est pas ce qu'il disait, quoi. Hein. Donc, il faudra vérifier, mais en tout cas... Apparemment, le mollet, apparemment... Globalement, Monet Paquet, c'est plus la locomotive sur le côté, là où Amouma est plus en effet demi. Donc, il change son système, et là... Honnêtement, enfin directement, il verrouille, on attend de voir ce qui se passe et on aura une derrière. Et ça, c'est un point important. Et deuxième mi-temps, il rentre Gueye qui marque le but. Ouais. On parle de coaching gagnant, on a la preuve, comme dit Servio Renard, Gasset, tous ces changements et tout son dispositif tactique a été payant. David Jérôme nous dit, hein, le point faible, hein, c'est le banc. Alors oui, alors c'est même pas forcément un point faible, hein, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Hein. Le mercato n'est pas terminé, il reste encore 11 jours. Le Racing Club de Strasbourg, enfin Thierry Loret, veut encore un voire deux attaquants. On peut le tourner dans tous les sens, on peut pleurnicher. Aujourd'hui, Thierry Loret le sait, ça ne sert à rien de vouloir dire il faut absolument recruter. De toute façon, la semaine prochaine, on va à Lyon. On va à Lyon, c'est le dernier match avant le début septembre. Donc voilà, on va recruter et puis voilà, c'est prévu. De toute façon, ça c'était criant aujourd'hui que c'était ce qui nous manquait, c'est ce qui nous manque pour l'instant encore, des solutions offensives, etc. etc. Après... là, il y a le débat, on est trop bas, on est trop haut, etc. Je vois des gens qui... parce que là aussi, Jérémy, tu dis, si à chaque fois qu'on mène, on recule, c'était pas le cas la semaine dernière, quand même. Enfin, et là non plus, on n'a pas reculé, quand même. On a regardé le jeu. On a pas reculé aujourd'hui. On n'a pas fait le jeu, quand même. C'est juste que physiquement, on était un peu moins bien. Je pense qu'on était moins bien dans le tour. Et puis après, au-delà de ça, on a été, évidemment, on prend un but, on le bloque haut à ce moment-là. Alors, peut-être qu'on est trop haut, mais à ce moment-là, si à ce moment-là, nous, on marque le deuxième but. Ils disent quoi tous les gens qui disent qu'on était trop haut là? Eh ben heureusement qu'on était trop haut parce qu'on a mis le deuxième but. Alors après c'est facile de venir après. Mais... messieurs, préparez, vous restez bien accrochés à vos sièges parce que je vous garantis bientôt. Là je vais recruter quelqu'un. Yannick Bouvard qui nous dit un commentaire. Je le suis. Hein. Extraordinaire ce commentaire. C'est beaucoup plus facile de faire un coaching gagnant quand vous êtes mené. Voilà, c'est réglé. Je ne sais même pas pourquoi. C'est tellement vrai. Collectivement pour les gens, le coaching gagnant c'est quoi? C'est faire rentrer un gars qui va te faire marquer un but. Il n'y a pas que ça. Ça peut aussi, comme tu disais, rentrer un gars qui va te faire permettre de tenir le résultat. Coaching gagnant, ça veut rien dire. Ça dépend où tu veux aller et ce que tu veux en faire. Oui, évidemment que quand tu perds et que tu fais rentrer un gars, c'est plus facile. Il rentre, il marque, tu reviens à partout, coaching gagnant. Ah oui. Par contre, si Loret fait le changement, celui que je veux pas moi, hein, si Loret fait le changement, il rentre Jérémy Green, comme tu dis, et qu'on prend pas le but, il va dire bien vu. On a rentré Green. Voilà, ça dépend comment tu veux placer ton coaching gagnant. Non, moi je dis juste, c'est peut-être pas forcément la solution, c'est quand il voit une équipe cramée, voilà, réagit ou fait quelque chose, ou change un dispositif, pas forcément rentrer un joueur. Pour moi, c'est ça le travail du, du,
Mais après, c'est parce qu'il le voit aussi. Je t'ai vu, Max. Ouais, mais après, Jackie dit aussi, le dispositif, ça veut tout et rien dire. Oui, ça veut rien dire. C'est le mouvement derrière que tu apportes à tout ça. Tu places Dimitri Lénard en 6, et pourtant, il a su être devant. Tu mets un Pablo Martinez en défense centrale, alors qu'il a su être devant. Tu veux dire quelque chose, Max ? Oui, je voulais réagir au commentaire de Yannick, qui est plein de bon sens. Ouais. Maintenant, un coaching gagnant, il peut être aussi quand tu mènes, notamment 1-0, et quand tu fais un coaching qui fait que tu mets le 2-0. Bien sûr. Et que t'enfonces le clou. Donc tu restes haut. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec le stratégiquement ce qu'a fait Laurent. Info, Camano vient d'égaliser pour les Girondins de Bordeaux. Un but partout. C'est bien. Non mais je vous donne les informations en temps réel, en direct quand même. On a battu Bordeaux la semaine dernière, donc moi ça m'intéresse. Enfin je sais pas, il n'y a que moi que ça intéresse, les autres clubs de Ligue 1 là ou quoi. Je te dis c'est bien parce que je trouve que... Non mais parce que sur Canal Racing, les gens, ouais, ici on est là pour parler que de Racing. Oui mais les autres clubs, sur le classement final, les autres clubs ils sont importants aussi. Oui, c'est vrai. Cyril. Tout à fait. D'accord. Donc du coup on va parler de Lyon, c'est ça Cyril, il est un peu fatigué je crois. Commence à fatiguer. Ah, tu veux qu'on fasse un dernier changement? Si tu veux. On va faire un dernier changement. Mathieu Kaminski, veuillez vous préparer pour les 10 dernières minutes. C'est la dernière ligne droite, prépare-toi, on va faire une petite pause dans quelques instants. Surtout que t'es du monde. Maxime. Le live là, ça débite. On va prolonger d'une demi-heure. Après je pense qu'on fait la fine bouche, on dit on aurait pu gagner mais... On a 4 points, on a joué des grosses écuries. Mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'on parle du petit heureusement, point. Heureusement qu'on est dans cette situation de pouvoir dire ça. Et si on avait fait 0 sur 6. J'espère que les gens ne vont pas croire, et notamment Yannick, qu'on est en train de faire du Loré bashing. On n'est pas du tout là-dedans. Ah non, moi personnellement, je défends depuis une heure. T'as des soucis avec tes oreilles ou... Non, mais j'espère que les gens ne vont pas croire qu'on fait du Loré bashing. Ah non, pas du tout. Absolument pas. C'est juste non, moi je le trouve que dans les commentaires, c'est du Loré bashing. Dans les petits points, on va pas prendre la chose négativement, les points à progresser, il y a certaines décisions qui influent sur le fait que ce soir, on n'est pas à 6 points sur 6. Peut-être, mais moi je trouve que sur ce match-là, je suis entièrement d'accord avec le système de départ de Loré, je suis entièrement d'accord avec son changement de système de la mi-temps. L'entrée de Zoé est excellente, ne pas avoir reculé le bloc est excellent. Donc, et on est d'accord sur le seul point, le changement de Cassie. À la régie, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on est prêt pour le dernier changement, s'il vous plaît, à la régie, si on peut envoyer même la caméra. C'est pour blessure dans les prolongations, effectivement. on va au bout du bout parce qu'on sait que les gens sont friands de cet après-match et il y a du monde. On va en profiter vraiment pour terminer vraiment tout ce débat. Quand un mec est cramé, il faut le sortir. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. C'est du Loré bashing. On est prêt. On va faire une petite pause. Restez bien sur Canal Racing. On se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie, peut-être, du Strasbourg Football Club. À tout de suite. Oh, but pour le Racing. Bah ouais, c'est Pierre Ménès. Bah si vous voulez suivre l'actualité de Racing, vous allez sur tous les supports sur Canal Racing. Rien d'autre à ajouter. Ok. Vous aussi faites comme Pierre Ménès et téléchargez l'application Canal Racing sur iPhone et Android. Une partie de ce Strasbourg Football Club. Strasbourg Saint-Etienne, un but partout. Les deux clubs tenus en échec, d'un côté et de l'autre. On parlait de coaching gagnant. C'est quelque chose qu'on... C'est le grand débat de la soirée, ce coaching gagnant. Mathieu, je te donne la parole quand même, et après on finira peut-être sur ce coaching gagnant, à moins qu'on ait encore des commentaires qui nous donnent envie de continuer. Qui est un coaching gagnant? Gassé, un coaching gagnant. Thierry Loré, on ne sait pas. Il fait ce changement, il fait rentrer Kevin Zoé qui amène une action de but derrière avec un centre de Cassie et ça solde par un but à zéro. On ne peut pas dire que ce soit un coaching gagnant dans la mesure où on prend qu'un point ce soir. Je pense que celui qui a eu un vrai coaching gagnant et qui s'est montré très fin sur ses choix, c'est Gassé. Non mais alors ma vraie question c'est, est-ce qu'on peut critiquer Thierry Loré? C'est le sens de ma question, elle était là, non, Mathieu. Non, Thierry Loré, on ne peut pas le critiquer. Je pense que quand on prend des points, c'est aussi bien grâce à l'entraîneur que grâce à l'équipe, c'est un ensemble. Moi je regarde pas trop, je prends pas trop seulement la situation comptable, j'essaie de voir l'ensemble de ce qui est dégagé de cette équipe. Dans le contenu, je pense que Thierry Loré et le Racing Club de Strasbourg, ils ont bien travaillé et il y a une osmose qui est en train de se créer. Et Thierry Loré n'est pas critiquable à l'heure actuelle au Racing, en tout cas pour le moment.
Yannick, je te veux sur le plateau du Canal Racing prochainement parce que j'aime cette répartie, j'aime ces messages. Et il a un commentaire très, très intelligent, encore une fois, qui dit « Une bonne analyse d'après match ou match, c'est d'oublier le score et de se replacer dans le match, en fait. » Et je trouve ça très juste, hein, au final, hein, Maxime. Bah, je pense que c'est ce qu'on fait. Je pense aussi, mais c'est très juste. Non, mais beaucoup c'est oublient. Très juste. Ah, c'est très parce très que juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est frustrés, on est tous frustrés de ce un but partout. Hein, on va pas se le cacher, on va pas sortir à klaxonner. Hein. Mais... est-ce que j'ai dit que j'étais frustré? Non, toi, t'es pas frustré. Moi, je suis frustré quand même. Bah, disons qu'on est frustré parce que ça arrive à 88e minute. Saint-Etienne égalise 60e ou 70e. Je pense qu'on serait moins frustré parce que c'est un bon point. On est frustré parce que ça arrive fin de match et pour moi, ça reste un bon point. Avant ce match-là, Saint-Etienne, c'est une grosse équipe. Et ils finiront dans les 6 premiers. Ils vont titiller même Monaco, je pense. Oui. Bah, c'est un bon. Alors, c'est un bon point. Si tu te places au début du match, Saint-Etienne au complet, sans le fait de jeu, sans le carton rouge, c'est un bon point. C'est pour moi un mauvais point si tu prends le déroulé du match et que tu es rapidement en 11 contre 10, tu n'arrives pas à tuer ce match pour ce qu'on a expliqué avant et qu'à la fin, tu te prends un piron à 3 minutes de la fin. Donc si tu considères le match en lui-même et la façon dont ça s'est déroulé, c'est un mauvais point. En tout cas, c'est deux points. D'où la frustration, c'est pour ça que je parle. Le fameux débat, frustration parce que c'est à 3 minutes de la fin, voilà. Parce que c'est à la fin du match. Et si c'est 0-0 à la fin, messieurs? C'est du même acabit. Si tu déroules pareil, si le déroulé est le même, c'est du même acabit. Ça dépend du contenu du match. Bah, sur ce même contenu. Non, si c'est 0-0, sur ce que montre le Racing, moi, pour l'instant, je suis très enthousiaste. Je suis pas frustré. C'est dommage, on perd loin, hein, clairement, mais je suis pas frustré parce que je suis rassuré de voir ce qu'on est capable de proposer. Et si on arrive encore à monter en puissance sur la saison, parce que je pense qu'on peut même encore faire mieux, c'est de bon augure pour la suite. Donc il n'y a pas de frustration et j'ai pas trop d'inquiétude. Puis encore une fois, en face, il y avait Ruffier. Et puis pas que, il y a une sacrée équipe. On a cessé de le dire depuis la prise d'antenne. Et mine de rien, tu fais match nul, sans attaque et sans banc. C'est pas mal quand même. Bien sûr, au-delà de ça. Après, je vois... je peux me lever et m'en aller? Non, pas encore. C'est Alain qui dit on n'a pas mis assez de pieds sur le ballon. Mais moi, j'ai eu aussi l'impression de voir en face Saint-Etienne qui s'en foutait complètement de ne pas avoir le ballon. Quoi. Oui. Tu pouvais faire la banane, comme on appelle ça, en 90 minutes. Ils s'en foutaient royalement. C'est ce qui les aura rendus. C'est les gars, prenez le ballon, on n'en veut surtout pas. Donc, tu aurais pu faire autant de passes que tu voulais. C'était la stratégie de Gasset, de dire prenez le jeu à votre compte. Et voilà, moi, j'en veux. La rentrée de mauvais paquet, c'est le point de départ. Gasset, il a fait sa toile d'araignée. Il l'a tissé. On perd un gars, boum, sur un attaquant. Il avait une pointe. Ensuite, il sort. Amouma, il rentre Monet Paquet, il se passe en 4-4-0, ouais. Terminé. 4-5-0. Il est mené 1-0 et son équipe a encore les ressources d'aller chercher les gars. Et là où Loré a très bien fait son coaching pour moi à la mi-temps, c'est que l'axe était ultra bouché. Ouais. Il passe en 4-4-2, il te met Gonçalves complètement à droite, Lienard complètement à gauche, et qu'est-ce qui se passe? On ramène un but. Et un sur centre en plus. Donc son coaching de la mi-temps, pour moi, il est excellent. Quoi. On a eu une belle partie d'échec entre deux entraîneurs. Je rejoins Mathieu sur ce qu'il dit. Là où Gassa était fin, c'est que s'il avait laissé, il fait le changement, il rentre un défenseur à place d'un attaquant. Ou sur le carton rouge, ce que Bordeaux a fait, mais là où il a été intelligent, 10 minutes plus tard, il change de stratégie, il s'est dit Strasbourg va être cramé à la fin, on aura une occasion. C'est exactement ce qui est arrivé. Quoi. Après, il y a la réussite. Il y a Franck, il y a la réussite, mais l'enfant, on lui dit le but était évitable. Alors, Ah oui, sûr. Pas un but exceptionnel. Mais j'allais dire, quel but n'est pas évitable? Non, mais celui-là, il est évitable, évidemment qu'il est évitable. Il y a quand même beaucoup de petits. Le but de Strasbourg aussi, il est évitable si on se place de côté. Mais regarde, tu prends le début de l'action. Il y a le duel où Jonas Martin télescope Carole. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « je suis là, enlève-toi, boum ». Il n'y a pas de but. Il n'a pas au pressing. Après, il y a le pressing. Alors, est-ce qu'il n'a pas au pressing? Je ne sais pas, ça va vite. Bon, certes, évidemment, avec les images d'après, c'est facile de dire qu'il va. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il ne va pas forcément à l'impact. Ok, deuxième. Et ensuite, il y a Mitrovic qui lâche complètement le marquage. Évidemment qu'il est évitable. Et puis surtout, il rebondit. Et pour le nombre de joueurs concernés, c'est vraiment un relâchement collectif à ce moment-là. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on prend le but à la fin, tu reprends le ralenti, on est en 1 contre 1 derrière, alors qu'on est 1 de plus. Et c'est là, à la 88e minute, que ça me dérange. Après, on débat après le match, c'est toujours facile. J'avais vu un commentaire, je ne sais plus de qui, de Yannick, à nouveau, qui disait quand on parlait d'un Racing qui n'avait pas reculé et qui parlait du but où il y a énormément de joueurs strasbourgeois dans la surface, c'est vrai, mais il y a énormément de strasbourgeois, pas parce qu'on est acculé sur le but, mais parce qu'ils sont tout simplement mal placés. Quand on prend le but, là, effectivement, il y a une ligne bleue
Et t'as aucun joueur qui fait un pressing et un marquage efficace. Est-ce qu'on peut aussi parler, de la feinte? Je sais pas qui laisse passer le ballon entre les jambes, hein, quand même, pour laisser le ballon à Gueye, hein, côté Saint-Etienne. Hein. Ah, on peut aussi parler de ce geste, ce mouvement de corps, parce qu'on oublie aussi ça. C'est la qualité en face. C'est pas Sennanès qui laisse passer. Non, Sennanès est sorti, je crois. Il est sorti, Sennanès, à ce moment-là, était sorti à la 84e et il a été remplacé justement par Gueye. Donc non, ce n'était pas Sennanès, mais je sais plus qui avait fait ce mouvement. Je me demande si c'est pas Mvila d'ailleurs, qui laisse passer le ballon entre ses jambes au dernier moment, et ça surprend aussi la défense rasongeoise. Mais c'est ce qu'on disait en début, c'est que cette équipe elle a une qualité individuelle qui est très au-dessus de la plupart des équipes du championnat. Donc forcément, quand tu as une action comme ça, avec des garçons comme Kadri, comme Mvila, comme Monet Paquet, ça fait mouche une fois sur deux. Je suis pas sûr que nous, on aurait pu mettre ce genre de but, mais individuellement, c'est quand même plus fort. Et elles sont très expérimentées sur le papier aussi. Ah ouais, tu prends Ruffi, équipe de France, Debuchy, équipe de France, Mvila, en équipe de France, etc. etc., etc. Il y en a un paquet d'anciens internationaux. Dont Monet Paquet, d'ailleurs. Cabella, qui était du côté de Marseille. Paquet. T'as dit quoi? C'est Paquet, un paquet. Ah oui, ok, d'accord. C'est compris. Mais on a globalement... On peut donner une note du match? On peut. On donne une note du match. Chacun donne sa note sur 10. On donne des parenthèses? Sur 10, sur 20. Des parenthèses? Des parenthèses. 6,5 par exemple. Est-ce que c'est accepté? Sur 10 ou sur 20? Sur 10, allez. Oui, des parenthèses, des virgules. Oui. Sur 10? Parenthèses. Sur 40. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît. Je donnerai un bon. 6-7. Allez, 6, parce que ça n'a pas été non plus un match 6. Et en comparaison avec les matchs d'hier, où il n'y a pas un match qui avait pour moi une moyenne au-dessus de 5, c'est assez rassurant quand même pour... Avant que tout le monde continue, envoyez-nous vos notes d'ailleurs, comme ça un peu, envoyez-nous les notes de la rencontre. Ça va les gommer. On va voir. Hein. Ouais, la première note, Franck nous dit un 7. 7. Voilà. Mathieu, ta note. Ah, justement, je rejoins Franck. Un 7. Le contenu des deux équipes, la bataille tactique qu'il y a eu, parce que les différents faits de jeu ont entraîné une bataille tactique entre les deux entraîneurs. On a eu du suspense. Saint-Etienne a réussi à revenir. Donc finalement, non, c'était un match pas forcément très spectaculaire, mais très intéressant dans sa construction et dans son déroulement. Seb. Ben, moi, j'allais dire 7 aussi, mais pour les mêmes raisons. Alors, parce que oui, surtout la deuxième. En fait, je comprends en deux. Je mettrais un. Si c'est bien. T'as dit combien ? Non, je mettrais un 5 pour la première mi-temps et un 7,5 pour la deuxième mi-temps. Pour c'est moi, c'était. Un 6, quoi. Ouais, en gros, un 6,5-7 sur l'ensemble du match. Parce que la première mi-temps, elle a quand même été. 6,5 Ouais, pas top, mais la deuxième mi-temps, elle a été quand même beaucoup plus animée et beaucoup plus agréable à voir. Tu mets combien Moi, je suis plus près du 6,5 que du 7. Parce que je me suis pas ennuyé. On n'a pas eu vraiment de temps mort. Alors, on a eu un rythme un peu moindre une fois qu'on a marqué le but. Ça ne veut pas dire qu'on s'est ennuyé. Ça a été cohérent, ça a été tactiquement intéressant. Donc, mais je trouve que le 6 est un peu sévère, le 7 est trop beau. Oui, c'est ça. 6,5. Régie, est-ce qu'on peut nous envoyer vos notes? Il y a pas mal de 7 à Régie, etc. Ce qui m'inquiète beaucoup ce soir. Mais en tout cas, on est un peu tout d'accord. Là où a raison Toto L'Aigle, en cours lui, c'est que 6-7, tu en as gagné, évidemment. Si tu prends pas ce but-là, ça vaut un 7 sans problème. Ah mais on prend ce but. À la régie, on peut nous envoyer les scores, les chiffres. Envoyez-nous les chiffres avec le langage des signes, hein, ça nous va très bien. Vous avez une caméra sur vous, ça va être sympa en plus. Mais après, voilà, on est sur du 6 et du 7, donc ouais, sur 6, la note. Donc, Et 9 pour Ruffier. Bon. Ouais, non, je mettrais un 7,5, 8 pour Ruffier. En comparaison, qui est l'homme du match pour Non, même 8, c'est trop élevé. Je mettrais un 7 à Ruffier quand même, parce qu'il n'a pas été extraordinaire. Enfin, il a fait les arrêts qu'il fallait, mais il fait les arrêts qu'il faut. Il y a 2-3 fois, il a de la chance qu'il n'y ait personne dans l'axe. Hein, et parce sur le but, il remet deux fois dans l'axe. Et sur le but, il touche le ballon. Il n'était pas loin d'arrêter. Il a été bien moins important cet après-midi que sur le match retour de la saison dernière, où il écœure les attaques strasbourgeoises. Olivier, ouais, c'est vrai. J'allais rebondir dessus là. Olivier s'est ennuyé apparemment. Olivier nous dit qu'il s'est ennuyé. Bah. Il a dit qu'est-ce qu'a proposé Saint-Etienne? Que veux-tu proposer à 10 contre 11 à l'extérieur? Saint-Etienne, qu'est-ce qu'a proposé Saint-Etienne? Bah, une réaction tactique, une envergure exceptionnelle, menée par un entraîneur, un vieux briscard. À 10 contre 11, Gasset a senti, je pense, la qualité du Racing. Il l'a déjà mis en avant bien avant le match. Il a senti que c'était un match que Saint-Etienne pourrait perdre peut-être 1, 2, voire 3-0 à 10 contre 11.
Gasset est resté en place, il a fait ses choix, il a fait ses changements, il a placé ses pions, ça a payé, il repart de la méno avec un point. La bonne opération, elle est pour Saint-Etienne, clairement. Et surtout, j'ai rarement vu une équipe à 10 mettre le feu, mettre le bouillon à l'adversaire. C'est assez rare quand même. Ils ont bien joué le coup. Par contre, effectivement, s'ils avaient été à 11 de Saint-Etienne, je pense qu'on aurait vu un autre match. Je suis pas sûr qu'on aurait... On aurait pu peur. Hein. Ouais. La semaine prochaine va être intéressante pour les Strasbourgeois. Ouais. Gros test à Lyon. Lyon qui va avoir à cœur de se racheter après deux matchs qui sont pas exceptionnels. Une victoire contre Amiens qui... Il y a trois points, mais c'était pas transcendant. Une défaite à Reims qui laisse quelques interrogations, ça risque d'être compliqué. Retour de Fekir. On part pas favori, mais ça va être très intéressant. Mais c'est pas pour autant qu'on a perdu d'avance. Si on avait une émission, des petits pronos sur Winamax, par exemple, messieurs, on mettrait un pronostic déjà. On peut parler d'un pronostic là pour ce match. Attends, on sort à peine de Saint-Etienne. Mais moi j'ai une question, mais justement, comme ça, à chaud. Ah oui, moi je suis 2-0. T'as le droit de le changer la semaine prochaine, hein, je te rassure. Je ne m'exprime jamais à chaud, monsieur. Moi je mettrais un 2-0 pour les Lyonnais, en l'état actuel pour l'instant à chaud. Moi je pense qu'on peut revenir avec un point. Un point ? Ouais. C'est-à-dire, tu mises un match nul. Est-ce que les deux équipes marquent pour les, pour les pronostics quand même sur Winamax ? Je sais pas, mais je pense qu'on peut revenir avec un match nul. Je pense qu'on peut ressortir notre vieux 3-5-2. Tu te mouilles un peu, les deux équipes marquent. 0-0 fort à la molle. Ah, 0-0, donc les deux équipes ne marquent pas. Mais c'est pas du tout logique. Hein. De toute façon, s'il y a un match nul, forcément, et si c'est pas 0-0, oui, c'est les deux équipes qui marquent. Lyon doit gagner, ils sont chez eux, Fekir qui revient. Tout est fait pour qu'on prenne une taule, enfin une taule qu'on perde en tout cas. Mais je serais pas surpris quand même. Au vu de la qualité de ce qu'on a montré sur les deux premiers matchs, j'aurais envie d'y croire. Maintenant, j'ai peur du réveil des Lyonnais qui vont être obligés de proposer quelque chose dans leur stade la semaine prochaine. Ouais, on verra. Ça peut être un super test pour les Strasbourgeois. C'est vrai, un petit prono quand même. Parce que là, on va terminer l'émission. Moi, je pense que Strasbourg, ils vont gagner 1-0. Parce que ceux qui jouent sur Winamax, c'est la grosse faute et tout dépend. Il y a moyen de fermer derrière et comme Saint-Etienne l'a fait, une contre-attaque sur la cote 1-0 et on met le but 1-0. Je pense qu'on est à combien ? On est à 12-13. On peut le voir d'ailleurs à la régie. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la cote du Racing Club de Strasbourg sur Winamax pour la semaine prochaine ? Puis de toute façon, on en refera. J'aime l'audace. Mais oui, c'est possible. Après, j'aime Olas. Par contre, moi, ce qui me ferait peur, c'est de me dire qu'au final, on est passé proche des 6 points aujourd'hui et que la semaine prochaine, à la troisième journée, on n'a que 4 points. Bah, est-ce que justement. Le match n'est pas joué encore. Est-ce que cette égalisation, ce qui me fait peur. Est-ce que cette égalisation, on ne va pas nous servir la semaine prochaine Et est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle ne peut pas nous mettre la tête dans le sac? Non, je ne pense pas. Non, parce que. Je vous pose la question, messieurs, parce qu'a priori, dans le vestiaire, on est quand même abattu. Oui, je pense que là. Il ne faut pas aller à Lyon en victime expiatoire. Hein. Non mais là, à chaud, effectivement, ils sont abattus. Oui, bien sûr. Tu sors d'un match à 11 contre 10, tes joueurs, t'as la gagne, bien sûr que t'as battu. Et heureusement que t'as battu. T'as travaillé quelques minutes en plus. Heureusement. Imagine le scénario, 1-0, but de Martin Terrier. Il va sortir des copains encore à la méno, Martin Terrier. Bah, contre son camp, c'est possible. Là, il va peut-être se tromper de but. Et souvent, les joueurs qui jouent contre... Les coïncidences, son ancien club, on rappelle quand même qu'il était prêté. Donc, la tâche, elle n'est pas la même. Hein. Oui, la tâche n'est pas la même, surtout pour un joueur qui a joué 2 mois. Il a disparu. On a la cote sur Winamax, 10,5 pour le Racing Club de Strasbourg. Au coup de mettre 10 balles. Seb, tu mets 10 balles et tu mets 10 balles. Ça fait 100 balles, tu fais ton petit récord. Alors, je dis à l'équipe, je vais mettre 10€ là-dessus. Si je gagne... On va boire un coup tous ensemble. Ah bon coup. Parce que la semaine prochaine, on rappelle quand même que vendredi, le Racing joue à 20h45, qu'on aura l'after. Messieurs, pensez à faire la sieste vendredi après-midi. Hein. Oui, on va faire la sieste. On sera là-bas. Ah oui, il y a de fortes chances. On va voir. Vous serez privé d'émission. On se concertera. On sera là, tu seras là, Mathieu ? Ouais, je serai là. Julien, vendredi, t'es puni ? Ça va être compliqué, on va essayer. On va faire un vote. Est-ce que vous préférez qu'on soit à Lyon et pas de live parce qu'apparemment, il n'y a pas encore la possibilité technique d'avoir un duplex Non, nous n'avons pas la possibilité technique, Lyon. Nous ne pouvons pas tout avoir. On va décider ça ce soir maintenant. Ouais, nous ne pouvons pas. Ou alors, on sera ici. Votez, alors, pour... Est-ce que vous voulez Max et Seb ? Est-ce que vous voulez Max et Seb ? Oui ou non ? Voilà. Vous savez quoi ? Allez, on sort ce petit... Non, mais si moi, je joue sérieux, moi, les gars. Si vous voulez nous voir à Lyon, est-ce que vous voulez voir Seb tout nu sur la pelouse ? Messieurs, on a un peu grappillé quelques minutes de plus. Hein. On est dans l'après-match, on est à domicile. On vous laisse 5 minutes, c'est vous qui choisissez. Même s'il n'y a que 3 personnes qui disent oui... Et une qui dit non, même 4 votes, je prends. Hein, d'accord ? On reste encore 5 minutes. Messieurs, donc on est bien tous d'accord, il faut recruter en pointe avant le 31 août. Bah, pour Thierry, il faut recruter en pointe. Pour Thierry ?
Pour Thierry, et tu pointes. Enfin bon, bref, il y a plein de jeux mots possibles là. Il faut recruter. On va aller à Lyon la semaine prochaine. Ouais, je pense que lui, il va aller à Lyon. Mais lui, il va à Lyon, mais pas pour voir le match. Hein. Ouais, bien sûr. On le bloque là-bas. Bien sûr qu'il faut recruter. On essaie de le dire que le point négatif de ces deux matchs, et surtout de ce match aujourd'hui, c'est le rendement offensif. Donc, bien sûr qu'il faut, il faut recruter et un profil qui soit... Donne-moi ton téléphone, toi. Je n'ai plus de batterie. Donc, il faut que tu donnes pour avoir les votes. Est-ce qu'il y a des votes? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de vote. Ah oui, il y a deux fois oui. Il y a deux fois oui. Angélique est Mais oui, pour la présence de Seb et Maxime sur le plateau du Strasbourg Football Club la semaine prochaine. Pour moi j'ai mis non, par contre. Ça ne compte pas. Mais bien sûr qu'il faut recruter en attaque. Je pense qu'il faut recruter deux. Je pense qu'il faut une pointe. Je pense un neuf de métier. Oui. Et un attaquant polyvalent. La question, c'est à 10 jours du mercato. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui va nous rester à recruter? Et ne ferait-on pas une erreur en se précipitant pour dire on prend deux joueurs pour prendre deux joueurs? Non, mais je crois que c'est pas du tout dans. Mais demande à l'Olympique de Marseille s'il faut se précipiter à 10 jours de la fin ou pas. Il est trop lourd, 20 millions d'euros. Non, mais. Bon, déjà, on n'a pas 20 millions d'euros à mettre et sur le marché des transferts, trouver des attaquants polyvalents qui marquent des buts. On m'a parlé d'un joueur là qui serait libre, Saadi, je crois. Non, pas de trêve, pas de rire, on rigole pas là-dessus. Déjà, parce on nous pose la question justement par rapport à Idriss Saadi, hein, il est sur le retour. Mais on rigole, moi je pense que sur ce match-là, il aurait pu faire beaucoup de bien. Hein, on rigole. Et maintenant, Saadi, il plante aujourd'hui ou pas selon toi? Ah, mais ça aurait pu être un match pour Saadi. Ça aurait pu être un match pour Bauken aussi. Mais on l'a... Ah, on l'a plus. Mais monsieur Conrad, de reprendre les arguments... Il faut vivre avec le présent. Moi, j'ai un espèce de on est d'accord là-dessus. Mais moi, Bauken... Bah moi, par exemple, je pense que... J'ai le cœur qui saigne, moi. Saadi, par exemple, sur la frappe de Lienard, Saadi, il aurait été dans les neufs. Il aurait peut-être reprise et il aurait claqué. Saadi Bauken, là, sur ce match. Oubliez Bauken. Bauken est parti à Angers faire le bonheur des Angevins. Faire le bonheur, ils ont 0 points. C'est même pas de présence pour toi, a priori. Même si c'est pour nous. Je pense que Nuno Da Costa aurait bien eu besoin d'un Saadi en point de fixation devant la défense pour s'appuyer sur Da Costa, chercher des 1-2. Sur Saadi pour chercher des 1-2. Saadi est un monstre physique. Il peut conserver la balle, il est difficilement. Je crois en ce joueur. Par contre, Saadi, à part sur un match, c'est sur lequel qu'il marque à domicile là. Il met combien de buts, Saadi, la saison dernière? Bah, il fait quand même une grosse fin. 3. Il en met un contre Montpellier à l'extérieur. Il met pas plus de 3. 4. Il me semble qu'il met pas plus de 3 buts. Oui, mais il fait une grosse fin de saison. Un bon attaquant, c'est pas forcément un attaquant qui marque des buts. Il y a un travail de sable derrière aussi. Saadi, peut-être qu'on aurait parlé coaching gagnant avec Saadi aujourd'hui. Peut-être. On aurait pu faire plein de choses aujourd'hui. Peut-être. On aurait pu ne pas faire de but à 88e. On aurait pu ne pas marquer. Subotic aurait pu ne pas être expulsé. Le match aurait pu être remis. Etc. Avec Dessy, je coupe du bout. On aurait pu ne pas faire cette émission. Je pense que ça aurait été la meilleure des solutions. Et je pense qu'on va arrêter là-dessus. C'est dommage. Moi, je suis bien là. Bien. On continue pas. Est-ce que vous avez des questions? Allez, 2 minutes. On fait 2 minutes de rab. Mais pas plus, 2 minutes. Vous avez le droit à une question encore. Du coup, vendredi, on est où? À Lyon ou ici? Bah nous, on est ici. Moi, je suis ici. Déjà, je suis ici demain soir. Présence de Rudy Carlier, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Rudy Carlier qui sera notre invité demain soir. On se retrouvera à partir de 19h demain soir pour le débrief, en compagnie, bien évidemment, de Jackie Duguay-Pérou, également notre consultant. Julien, tu seras là. Je serai là. Tu seras là. On se retrouvera ensuite jeudi pour l'avant-match Lyon-Strasbourg. Et celui-ci, il fera peur un petit peu. Hein. Donc voilà. Et puis ensuite, on se retrouvera vendredi. Pourquoi avoir peur? On n'a rien à perdre en allant en Lyon. On n'a rien à perdre. Il ne faut pas aller en Lyon. Juste à revenir avec l'honneur et 3 points. Bonne soirée. Non, attends. Reste assis, s'il te plaît. Toto Lègle nous pose une dernière question. Goncalves et Thomasson sont-ils vraiment des joueurs cotés? Alors, j'ai vu cette question-là. Côté ou deux côtés? Est-ce que c'est sous-côté, sur-côté ou sur les côtés? Je pense que tu veux dire de couloir peut-être, parce que c'est les deux qu'on joue sur les couloirs. Si c'est la question, je vais te dire non. Non. Mais qui d'autre pour l'instant? Personne.
Zemzemi. Bah oui, mais c'est bien ça la question. Zemzemi, moi ouais, j'aimerais bien. Un gamin qui démarrer un match de Ligue 1 pour un gamin, Cassie et Zoé. Non, mais justement, de faire jouer un gamin. D'accord, mais il veut peut-être conserver un certain équilibre aussi dans les. Bien sûr, entre les joueurs expérimentés. C'est un bon choix. En Ligue 1, c'est un bon choix. Mais il l'a fait rentrer à 5 minutes de la fin quand il fallait chercher le corps. Mais en Ligue 1, et en plus, si tu vas jouer à Lyon, tu peux pas jouer avec 3 joueurs du centre. Ah non, mais moi je te parlais pas. Moi je parlais pas face à Lyon, je parlais aujourd'hui par exemple. Moi je pense que ça coûtera moins cher. Après, Loré, est-ce qu'il cherche pas aussi à avoir certains automatismes? Changer de tout de suite changer de compo chaque match de couloir au début. Il parle bien d'un joueur de couloir. Ouais, c'est ça, de couloir. Non, oui, non, c'est enfin je pense pas enfin en tout cas Thomasson il jouait souvent quand même c'est un espèce de je sais pas trop comment il jouait, c'était Thomasson 4-1 la dernière Nantes, ouais, il jouait un peu devant la sentinelle, il jouait axe et Gonçalves, on sait tous qu'il est très performant dans un losange par exemple. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est des joueurs de couloir? Non, est-ce qu'ils avaient pas pour consigne de rentrer pour libérer les couloirs aussi, ça on sait pas. Mais je pense pas que de formation soit des joueurs de couloir. En tout cas, peut-être pas Thomasson, Gonçalves peut-être un peu plus. Ouais. Messieurs, on va terminer là-dessus ? Oui, parce que ça fait quand même 4h30 qu'on est à l'antenne. Non, c'est vraiment un petit joueur, lui. Hein. Oui, mais en plus, qui plus est. Et puis apparemment, comme je monopolise non. Aujourd'hui, 60% du temps de parole, aujourd'hui, vous répartissez 40% à 3 de ce qui se dit. Donc voilà. Hein. Aujourd'hui, tu as été bien. Dans le milieu, on m'appelle la mobilette. C'est une victime, en fait. Ouais, c'est... Enfin, laisser, c'est une victime, Maxime. Puis tu devrais lui laisser 65%... du temps. On va faire une augmentation. Mais d'ailleurs, on a pris 10%. S'il faut 40 points pour se maintenir, on a 4 points, on a 10% du maintien. Exact. On a nos 10%. On a nos 10%. Ça ne veut strictement rien dire ce que tu viens de dire, mais bon. Si, moi j'ai compris, 4 points, oui. c'est 10% de 40 points. Et 40 points, ça suffit pour le maintien. Il n'y a que toi qui n'as pas compris. On va dire 42, hein, parce que maintenant ça va pilailler, bien évidemment. Mais 40, bonne soirée, messieurs, dames. Je crois qu'on va conclure là-dessus. Hein. Allez, on va conclure là-dessus, effectivement. Merci Julien d'avoir été parmi nous. Merci à toi. De m'avoir été parmi moi. Je parle bien. Voilà. Seb, merci, on te retrouve. Merci à toi, Joe. On verra. Mathieu, à vendredi. À vendredi. Et puis Maxime, un de ces jours. Quatre. Un de ces jours. Merci. D'ailleurs, public. Qu'est-ce qu'il dit le vote? Pôle emploi. Le vote était que du oui. Il y avait que du oui. C'est vrai, il y a personne. Il y a un nom pour moi. Il y a un nom pour toi. C'est ma femme. Mais ça compte pas, c'est la famille. Mais elle a raison, je la suis, je suis pas là vendredi. C'est mignon. C'est comme ça. Ouais. C'est... Ouais, ok, d'accord. Heureusement qu'on compte pas sur vous, les gars. Allez, c'était le Strasbourg Football Club, c'était l'après-match. On était en compagnie d'une belle équipe, il y avait une belle ambiance. Malheureusement, on n'a pas les 3 points, mais on a 10%. Allez, bonne soirée. On a 10% du maintien. Quel professionnalisme, Maxime, j'adore Maxime, merci beaucoup. Bientôt. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, pour finir cette émission. On se donne rendez-vous demain soir en présence de Jackie Duguay-Pérou et Rudy Carlier. Strasbourg Football Club, c'est fini. Vous pouvez couper la télé. À demain, ciao.